Inna alhamdulillah. En réalité, tout louange, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, nous fait son éloge. Wa nasta'inuhu, nous demande Allah même aide. Wa nu'minu bihi, nous amène iman de Allah. Wa natawakkalu alayh, et nous place nos confiances dans Allah même. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Avec Allah ta'ala, nous cherchons protection contre le mal que nous nefs capables incite-nous pour faire. Wa min sayyiati a'malina, et comme ça même nous demandons à Allah Ta'ala protection contre le mal qui nous capable commettre à travers nos bonnes actions. Man yahdihillahu fala mudilla la, celui que Allah Ta'ala fin guide pena nani et pena personne qui vous capable égali. Wa man yudilhu falan tajida lahu waliya murshida, et celui que Allah fin laisse al égaré, pena aucun guide, aucun protecteur, pena nani personne qui vous capable retourner dans le droit chemin. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, c'est ainsi qu'il me témoigne qui peine à personne qui mérite pour nous adorer lui, excepté Allah, peine à personne qui mérite pour nous prier lui, excepté Allah, lui seul, ni n'a peine à aucun associé dans aucune forme. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et me témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah ce serviteur, Allah ce messager, Allah dit arsalahu Allah bil huda, celui qui Allah Ta'ala fin envoyé avec la guidance, wa din il haq, avec din de la vérité, al-islam, li yudhirahu ala din kulli, pour qui sa dina li prévaloir l'outouman les jeutes. Fa ashhadu anna Muhammadan qad ballagha risala, vous témoignez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement, il finit transmettre le message. Wa adda al-amana, il finit des choses à responsabilité, qui Allah t'y confie lui en tant que dernier prophète. Wa nasaha al-umma, et il finit conseil, sa ummat là, le meilleur conseil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, tout louange, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le chapitre 14, ayat numéro 7. La in shakaratum la azidannakum. Si je te remercie moi, moi pour augmenter mon faveur, aux autres, Allah ta'ala dit. Si je te remercie moi pour augmenter mon faveur, aux autres. Un musulman de n'importe quelle situation qu'il y était, il n'a pas plaigné. N'importe quelle situation qu'il y était, quand il dort bien, il dort bon, et la bonne petite chose, bonne nouvelle, la joie, et la mariage contre lui, tu veux bien prendre naissance, lui ne passe l'examen, lui remercie Allah, Allah Ta'ala, au monde sauf avec lui. Et comme ça, même un musulman, il est dans de détresse, il a problème, il a difficulté, il prend pas chance. Inna Allah ma'a sabirin, certainement Allah dit avec ban qui prend pas chance. Premier khutba après sa grand mois de Ramadan qui vient traverser là, première leçon qui nous tirait, nous remercier Allah pour ce mois-là qui vient traverser et nous fin rester vivre là-dedans. Nous fin rester traverser ce mois-là. À cause des ans qui nous traversaient, Ramadan qui nous traversait, nous connaissons donc une situation qui nous tirait. Nous remercier Allah, l'in laisse nous vivre nos masjids à l'aise. Sans aucun tracas, sans aucun problème. Nous finirons ici faire nous taraoui. Nous finirons ici garder et teka. Nous finirons ici servir ban nous atakif. Nous finirons ici profiter avec sa ramzana. Et ban jeune qui doit conseiller l'école des dernières semaines, beaucoup moins doit aller autour de l'estré et teka. Nous remercions Allah, l'élan Allah pour augmenter ban favel au nous encore. Vous connaissez, chers frères, imaginez un coup, Ramzan traversé, premier jour Ramzan, première semaine Ramzan, et Maïdat saute dans la case contre moi. Est-ce que mon Ramzan, tu peux traverser pareil, que moi traversé, moi tu peux aussi profiter, moi quand mon Coran, moi aussi, moi tu peux rester fini. Imaginez un coup, chers frères, Ramzan traversé, un accident, mon garçon admet l'hôpital. Mon madame, il y a un problème, mais c'est ramasse-casse, nos vitesses m'envoient l'hélène. Nous tu peux aussi traverser un Ramzan, comment nous traverser? Parce que vous êtes capable. Comment Ramadan, nous remercions Allah et Allah Ta'ala pour augmenter sa faveur en nous.
Nos besoins après Ramadan, nous demandons à Allah beaucoup de doigts, nous supplions Allah pour Allah accepter nos vanibadettes que nous venons faire dans Ramzan. Un musulman n'est pas comme ça, et tu visais faire mon faire, assez Allah qui était si accepté ou bien les rejeter. Non! Un musulman, il a le bon pensée d'Allah. Et tu connais moi, Allah est vraiment faible. Nature humaine, ça, il est faible. Je reconnais qu'il y a beaucoup de manquements dans l'ibadette qui m'ont fait. Plus grand l'exemple, étant nous terminons salat. Quand nous terminons salat, étant nous finissons Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, qui nous dit Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Essayez de réfléchir un petit peu, chers frères, qui fait nous dire Astaghfirullah quand nous terminons salat. Nous connaissons quand nous finissons un péché, nous désobéissons à Allah, nous faisons quelque part, et là nous demandons à Allah pardon, fais la salat, il fait la haine, moi aussi il peut encore causer. Comment il finit salam, il dit Allah plus grand, après il fait dire Astaghfirullah. Qui fait le dire Astaghfirullah? À cause d'y reconnaître dans ce salat qu'il finit faire, et dans certains manquements. Nous faisons un coup comme Omar radiallahu anhu, il dit Hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu. Pas de propre jugement, chacun juge lui-même avant qu'il y ait jugé là-haut, avant qu'il y ait le rencontre là-haut. Ok, nous gagnons un coup. Dernier soir qui nous fait, Jamad, Fajr. Si nous sommes pour évaluer nous soir là, le combien nous gardons nous soir là, le 10. Chacun vous dit, ça n'a qu'à dire, moi, je donne mon soir là 10, le 10. Moi, je fais mon soir là parfait. Personne nous reconnaît et n'a erré et n'a manquement. Mais seulement, nous connaissons qu'il y a avec tout, ben manquement là, Allah pour parler de nous et Allah accepte lui de nous. Comme ça même, un salat qui finit durer pendant 10 minutes, 15 minutes, nous mettons un manquement. Bien, un mois qui finit durer. Combien de manquements finit un an? Nous citons un hadith avant Ramzan de rentrer, c'est lui qui pas quitte quelque chose inutile, c'est lui qui pas quitte l'indécence. Allah pas besoin qu'il quitte son manger, bro. Mais nous pas finir glisser quelque part. Nous finissons glisser. Alors, nous demandons à Allah pardon pour le manquement qui finit là. Oh Allah, pardonne-nous pour le manquement. Oh Allah, dans Ramzan, on a fait coller à la case. Oh mon madame, oh mes enfants. Oh Allah, on t'a donné nos enfants. Pas qu'un droit même, faire maman, papa, sur lesquels faire mal, faire zot en colère. Dans mon Ramzan, on fait mon papa coller. Dans mon Ramzan. Oh Allah, pardonne-moi pour tout. Et acceptez mon Ramzan. Pardonne-moi pour mon manquement là. Allah subhanahu wa ta'ala de chapitre 11, ayat numéro 114, il dit Inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at. Certainement, ben bon action, je annule ben mauvaise action. Comment nous sommes capables d'être avant Ramzan? Allah d'aller que nous vivons Ramzan. Et nous finissons à plusieurs reprises. Hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte le mimbar. Les dalis montés, ils disent Amin à trois reprises. Un parmi là-dedans, nous entendons ce hadith avant Ramzan, pendant Ramzan. Un parmi là-dedans, malheur, c'est lui qui, Ramadan traversé, il n'a pas gagné le pardon à Allah. Tous les jours, il finit de veiller qu'il résiste à Allah pardon. Mais quand il finit, astir, il ne fallait pas lui regretter un coup, et comment il était avant Ramzan. Ramzan, il a mené un changement, tout ça, ben péché avant là, Inch'Allah, il n'a pardonné. Assez tout une passe. Ça va une bonne action qui nous fait là. Inch'Allah, Allah accepte lui avec tout ce manquement. Allah multiplie lui. Mais nous, l'homme qui nous fait nous connaître, bonne action, il y a nulle bonne mauvaise action. Fallait pas assez. Un petit monde, il retourne dans tout ce bon qui chose qu'il était avant. L'in désactivé son bon account pour lui pas chat avec Tifi, pour lui pas chat avec l'autre. Pendant Ramzan, Astir, l'envie-là, il retourne dans le lit, les visées réactives à 40 ans. L'idée clean, sa galerie. L'idée net, tient tout, photo indécent. L'idée tient tout. Avant Ramzan, l'idée envie changer. Ramzan, il vient vraiment changer. Astir, il ne fallait pas laisser sa regret-là, qu'il retourne là-bas encore. Tout bon moyen qui amène une nouvelle désobéissance à Allah, bizarre coupe tout. Si vous avez un groupe WhatsApp, ça groupe là crée fitna, il y a un problème, livre groupe là, qui problème là-dedans?
Si moi avec tel groupe camarade, comme moi avec ceux qui se t'amènent moi fumer une dame. Comme moi avec ceux une fois les temps qui nous pourra être loin un papier moi fumer une ganja. Arrête fréquent ça man dit moun là. Ça c'est une résolution, ça c'est une décision qui m'a fait prendre après la maison, mauvais toi ça l'amener plus loin frère. Sorry, mon besoin protège mon même master. Nous bisez coupe tout bon moyen qui amène nous vers une désobéissance à Allah. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit Inna al-mu'min, certainement un croyant, yara dhanbahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Un croyant, ligue de ce péché qu'il fait une faire, li trouve li comme un tel, il persiste en main de montagne. Yakaf ou en yaka alay, li paie attention sa montagne là, ne graine l'oli, ne tombe l'oli. Wa inna al-fajir, mais un celui qui a habité désobéir à Allah, un celui qui lui reste de péché même lui. Yara dhunubahu ka dhubab, li trouve ce bain de péché comme a dit un simple mousse, marra ala anfi, li trouve sa mousse là, mais parce que son aîné. Faqala bihi hakaza, alors li nek pousse mousse là comme ça. Pour lui ce péché qu'il a fait là, pour lui un simple petit chose comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith, un simple exemple. Un simple exemple. Une parole en dimoun ni ka dire. Une parole en dimoun ni ka dire. Li ka do fo men zoure, li ka do fo men maltraiter, li ka do peu importe, une mauvaise parole. Dimoun nan li pa trouve aucun problème dans ce qu'il peut dire. Eh, qui grand affaire mon dieu comme ça? Papa nous va dire, ah, de quoi j'ai? T'as eu un simple affaire mon dieu comme ça là, tu verras bien le temps long. Si moi tu connais autant de problèmes, tu pourrais rester tranquille. L'île d'Indiasie, c'est une simple petite affaire. Mais seulement sa parole-là, le temps ça passe de balance, ça amène sa personne-là de différents enfers, qu'Allah protège nos familles, ça amène de différents enfers pendant 70 bananes, qui l'île trouve normal. L'île a trouvé un simple petit plaisir, il finit prend. Un simple petit taquiner, il finit taquiner. Qui grand péché, mon frère? Eh, Nadi, vous faites beaucoup plus grand péché que ça. Moi, c'est un petit quelque chose, mon frère. Ou pas dans la drogue, moi, si c'est une dame cigarette, mon fumé. Ou pas dans le pèse-zina, moi, si c'est mon soufflé artifique, une parcelle, un coup, moi, un petit plaisir, au lit. L'île, il peut trouver ce qu'il fait là, bien petit, mais auprès d'Allah, il est bien grave. Après le mois de Ramadan, chers frères, pareil, comment nous t'y ressenti la présence Allah. Nous tirons la prière à Allah pendant le mois Ramadan, alors même après Ramadan. Vous connaissez Dordine, moi sans aide. Rob, reste pareil. C'est lui, pareil comme Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, dit, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour qui, un demain, jour plus triste que le monde fin connaît, le monde islamique, le monde musulman fin connaît, Sahaba Pabeka Tini. Vous connaissez qui m'a sahaba wa bekatini, et là parmi ma sahaba qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sa sahaba là sur les pieds, dans balance tribunal, les pèse plus lourd qui montagne, Uhud. Parmi ma sahaba là dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pécose concernant Omar radiallahu anhu. Dans ce moment-là, l'état Abu Bakr radiallahu anhu, il monte au mimbar. Omar peut dire, c'est lui qui dit à Muhammad, il mort, moi tout il est, moi saute sur les coups. Omar peut dire, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a joint sur l'homme avec ma Moussa, il a joint. Abu Bakr radiallahu anhu monte au mimbar, il dit, c'est lui qui t'y fait prendre le prophète comme bon Dieu, c'est lui qui t'y fait adorer Mohamed. Connais qui Mohamed, il mot. Mais c'est lui qui t'y fait adorer Allah. Connais qui Allah lit, Allah lit toujours là. Comme ça même, ensuite il continue, mentionne Manayat Quran, Innaka Mayitun, Wa Innahum La Mayitun. Comme ça même, pareil pour Ramadan, chers frères. Est-ce que nous quittons Allah, nous adorons un mois, ou bien nous adorons Allah? À cause de moi, il allait, si je retourne pareil, veux-tu qu'il m'en fait? Est-ce que mon robe n'est pas trouvé après Ramadan? N'est pas attendu après Ramadan? Non, définitivement pas. Les gens ont besoin de apprendre concernant mon robe. À cause de robe, il reste pareil. Allah subhanahu wa ta'ala les dit dans chapitre 89, ayet numéro 14, Inna rabbaka labil mirsad. Certainement, ton robe, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala,
il est toujours vigilant, il est toujours attentif, il peut surveiller nous de près, il peut guetter nous tout ce qu'il nous veut faire. Après Ramadan, action là, ce qu'il nous fait, péché là, il reste péché même. Allah encore peut surveiller nous. Dans chapitre 3, verset numéro 5, Allah Ta'ala lui dit « Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un » Peine à n'en certainement peine à n'en qui cassait à Allah. Peine à n'en qui cassait à Allah. Fil ordi wa la fil sama. Qu'il soit dans la terre, qu'il soit dans le ciel. Pas penser mon papa pas là. Pas penser mon incampé des jours. Mon fait ce qui m'ont envie. Pas penser mon monsieur pas là. Mon fait ce qui m'ont envie dans la case. Pas penser mon madame inalcote son maman pour week-end. Mon fait ce qui m'ont envie, connaît qui Rabbul Alamin, lui vous pose nous questions, nous n'avons pas le répondre, et lui peut témoigner tout, lui peut trouver nous, lui peut surveiller nous de près. Après le mois de Ramadan, chers frères, un musulman, lui disait, continue à persévérer, continue à persister, continue à rester à l'obéissance à Allah. Dans chapitre 41, ayat numéro 30 à 32, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina qalu Rabbuna Allah, certainement, ben qu'ils ont dit à nous, Rob, c'est Allah, c'est nous-mêmes, ça va nous salman. Thumma staqamu. Ensuite, je t'inifère là-dedans. Dans Ramadan, nous faisons tout pour faire Allah contre nous. Et là, nous faisons Allah contre nous, pour donner la charité. Peine un jour, un jour, traverser, excepté une route, un moyen, pour moi, il faut faire une dépense de chemin Allah. Il n'y a pas de gagner ce qu'il y a quand il vient à la 8 ans, il y a une cool petite chose. Il y a une petite juice d'une organisation islamique contre Mazid. Et là, il vient glorifier Allah. Il vient reste après chaque soir là, il vient faire tesbih. Après chaque soir là, il vient lire le kursi. Il n'y a pas de mort sur 20 soir là, il n'y a pas de mort sur 12 rakat sunna. Et là, il est beaucoup fatigué, mais c'est moi, il vient prendre un ticket par chance, il vient rester dans la 8. Les fins terminent, criant avec l'imam. Qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Thumma staqamu, je tiens ferme, je continue à persévérer. » Et là, certaines ibadettes, nous voyons pourquoi faire des Ramzan, par exemple, Tarawi al-Jamat, et Etikaf dans Mazid. Mais dans certaines ibadettes, même nous avons diminué, mais les besoins restent, les besoins continuent à préserver. Là, c'est là, si nous finissons négliger, problème de nous-mêmes. Par exemple, lecture Coran. Oui, nous ne pouvons pas lire un juz par jour. Nous ne pouvons pas lire un surah, un petit surah. Nous ne pouvons pas lire une page. Nous ne pouvons pas lire la moitié page. Nous ne pouvons pas lire un ayat avec sa traduction. Mais un jour, pas qu'il y ait un droit à aller, excepté qu'il m'en lit un Coran. Même moi, je ne peux pas lire comme avant, mais je peux lire seulement. Ça qui lui peut signifier, il peut continuer à persévérer. Pas possible. Tout ban grand dimoun, ban grand tata, je veux gagner le temps, après tout soir là, je veux débouter, je veux faire des racades. Qui, moi, tout le temps, comme ça, m'oppresse. Tout le temps, moi, là, qui t'en, comment presser, m'oppresser? Moi, prends mon motocyclette, moi, mettre un dialogue avec mon camarade là. Moi, va vous faire soudain, moi? Va vous faire soudain? Non, moi, je persévérer, allô. Thumma staqamu, les temps de tinifère, tatanazzalu alayhimul malaika, le moment que je paie mot. Le moment que je paie mot, Et derrière, chers frères, l'amour peut nous bien. L'amour bien prêt avec nous. Depuis nous prenons naissance, nous commençons à prendre nos premiers, les souffles, nous commençons à respirer. Nous comptons, nous commençons à compter. Comme il y a une effet, au thème, nous pouvons aller. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala peut avoir nous plusieurs signes. Et dans nous, il y a un petit peu, il y a combien de monde finit avec l'épidémie à travers le monde, dans millions. Il y a combien de monde, moi, je gagne, je suis malade, je suis positif, mais seulement, tu connais, moi, je me suis gratté la gauche. Ou bien, moi, je connais, moi, je suis encore comme un énorme fêteur, mon énorme fêteur, moi, tout est normal. Ok, alhamdulillah, c'est normal. Mais seulement, est-ce qu'il existe ça même? Dans nos petits pays, là, tous les années, dans nos pays, il y a des accidents. Chaque année, il y a des accidents l'année avant. Combien de monde peut perdre la vie?
qu'Allah Ta'ala parle de mon frère, de mon sœur qui fait une quitte dunia à travers mon accident. Guide mon nouveau malade qui veut venir. Où est-ce que vous avez passé, mon organisme ailleurs? Un petit baba, 4 jours, 5 jours, un petit baba, 2 mois, 2 ans, 5 ans, cancer du sang, malade, il y a un tel, un nez coincé dans la tête, tumeur. Guette comme ça même, Allah Ta'ala va nous le tien encore, les temps, ou lever grand matin, pas connu, pour l'école aujourd'hui, pour notre travail, guette ça les temps dans l'appli. L'appli est au guette de l'eau pour moi descendre. Nous nous capons blâme X, Y, Z, mais peine à une mousse qui bougeait, peine à une feuille qui tombait, excepté par permission Allah. Combien de fois il y a une inondation, un cyclone qui a traversé, et il y a une perdu la vie. Nous ici nous trouvons costés, chers frères. Nous ici nous trouvons costés. À Dounia, si je nous le moumine. Sa dounia qui nous était là temporaire, sa dounia qui nous était là, nous emprisonner, nous dans prison. Ou pas pour gagner toute liberté, ou pas pour gagner tout ce qui vont envie, ou qu'à faire l'eau dounia. Ou bien prendre une patience, l'eau quelque chose. Nous dans dounia, nous l'ont un test. Alors tout qui chose pas permettre pour nous, musulmans. Et Allah Ta'ala pour tester nous, oh ben quelque chose qui nous plie contre même. Si vous avez une faiblesse pour tout quelque chose, Allah Ta'ala pour tester nous en sa même. L'amour peut être nous très près. L'amour peut rapprocher avec nous. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ben qui se dit, nous rabbons c'est Allah. Thumma staqamu. Et je t'inifiem l'oula. Tatanazzalu alayhimul malaika. Le moment que je fais mot. Ben ange, les temps venus. Ben ange, Jésus. Allah takhafu wa la tahzanu. Première nouvelle. Et dans l'église de sa ange là, bon ange là qui nous vient chez son roux. Ange là, dit lui, n'a pas gagné peur. L'amour devant lui, ange qui veut dire lui, pas peur. Tout le monde peur pour moi. Mais seulement l'étant, c'est lui qui tient l'amour là, c'est lui qui tient la vie là. Lui veut dire lui, n'a pas peur. Wa la tahzanu, pas gagné sagret avec qui dounia. Wa abishiru bil jannah. Gagne la bonne nouvelle. Toi, tu es quelqu'un qui te va vivre au paradis. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سامم سبارتي كي تبرمت على الدنيا لا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بعد أنش كنتيني جي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نتيجة بان كمبانيون نتيجة بان كمارات لو لابيلو سالاتي لا دا دنيا celui qui lia le crucifix par exemple ange accompagne jusqu'à tantôt et celui qui lia lui avant yal dormi ange va accompagner jusqu'à l'heure demain grand matin vous protège lui. Nous ne pas trouver lui seulement. Les talibés, ils trouvent ange là. Ange là, dit lui, nous t'étions à Oulien, nous t'étions à un camarade. L'eau, la ville, au salat, il est là. Ou à fil à Akhira. Et à celle-là aussi d'Akhira, nous t'étions à amis, nous t'étions à camarade. Ou à la confiha, maintenant, je t'ai dit, foussoukoum. Maintenant, je vais aller à sa djennette là. Dans sa djennette, il y a tout qui de choses qu'ils ont désiré. Tout qui de choses qu'ils ont envie. ولكم فيها ما تدعون الى دان ان توكيت سوس كي زوت بو ديماندي نزولا من غفور الرحيم على جنه سين ديستيناسيون ان بلاس كوت بو غاني ان ليو داكوي ديبي لي بوردونير ديبي سيلوي كي نا بوكو بيتي كون بو غاني سما نوفيل لا سيلوي كي كونتين تشيني فيرم ابري رمضان دي كونتين تشيني فيرم دا لوبيسانس دا لادوراسيون الله الله سبحانه وتعالى دا شابيت 8 ايات نيميرو 2 لي دير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم certainement من قوايان لتن cause concernant Allah لتن mention concernant Allah ça en est l'effet aux autres les guerres ça fait autres les guerres ressenti en la frayeur وإذا تليت عليهم آياته لتن récite ban آيات Allah avec autres
زادتهم إيمانا زد إيمان أغمانتي وعلى ربهم يتوكلون إي زد قاد زد كونفيانس دا الله زد كونفيانس دا زد رب لبوفيت صلى الله عليه وسلم فنقول إلى الحديث ألا وإن في الجسد مضغة دا نوليكو إن إن لحشير إن إن بوت لحشير إذا صلحت لتن سابوت لحشير لالي فين بون صلح الجسد كله أنتيريكو لالي بو بون وإذا فسدت Les temps les gâtés, les temps les abîmés, ça vous tâchez là. Face à l'Al-Jasadu Kullu, entier les colas, les abîmés, entier les colas, les gâtés. Allah wahi al-qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, ça vous tâchez là, c'est l'équerre. Nous terminons la même, chers frères. Nous bisinguons, nous l'équerre. À cause de ton Ramadan, il finit son main objectif, c'était produire ta quoi dans nous, et ta quoi, les gars dans l'équerre, en djimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointe avec sur les doigts, avec sur lesquels il dit « At-taqwa hahuna, taqwa li trouve ici. » Alors, nous l'équerre, nous taqwa, nous imam, fallait qu'il nous prenne les comptes. Nous bisons prendre les comptes, sinon qui va arriver? Nous l'équerre, il appartient à l'Europe. Nous bisons retourner vers l'Europe. Les temps nous prennent l'équerre, là, nous pas retourner vers l'Europe. Nous mettons vers un travail. Nous mettons vers nous progrès. Un simple problème paraît. Nous gagnons dépression. Nous gagnons stress. L'Europe appartient à nous l'équerre appartient à l'Europe. Alors, un simple, si c'est lui qui lui prend sur l'équerre, il donne un petit fille. C'est lui qui lui prend sur les gueules, il devient une petite fille. Normal, quand tu vis là, vous qui te dis, tu vas le rendre dans la drogue. Tu vous sentis toi abandonné. Alors, nous retournons, nous les gueules, en Europe. Pour préserver, nous t'apprends que Ramadan finit à mener. Pour faire une action qui lui augmente, nous iman. Et puis, nous apprenons concernant nous dînes. Après le Ramadan, nous visons à prendre concernant nous dîne, plus nous apprendre concernant nous dîne, ça prenait l'effet, plus nous apprendre concernant Allah, aujourd'hui avec toute facilité, nous allons écouter un programme, une cause dit dans ma zid, pour l'or d'Allah, ou naïeko, ou gagne, ou pas garder, ou gagne chaud. Ou bien aller dans le tour, ou quand même, ou on vient écouter en anglais, en français, ou on vient écouter l'imam, on vient écouter l'autre imam, et la facilité, ça prenait l'effet, l'on nous iman. Ça vous rapproche nous avec nous, l'Europe. Les gens nous capables de combattre les autres mois qui viennent. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos mains et faux. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour continuer à persévérer dans ce chemin. Que Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous surmonter les difficultés, les tentations des shaitan qui vous viennent. Dans sa 11 mois qui reste là, que Allah subhanahu wa ta'ala, les réunions nous là, au Oumad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour Qiyama, et ensemble avec le prophète et son compagnon de Jannatul Firdaus, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.